Non, j'ai montré aux viewers, on va commencer à faire les tubes. Et au lieu d'utiliser les tubes de Buildcraft, je crois, ceux qu'on a utilisés là, on va utiliser les tubes de Red Power. Donc, qui sont des tubes pneumatiques. Oh, j'ai un petit problème avec les échafaudages là. Qu'est-ce qui se passe? T'as tapé celui d'en bas, ils sont tous écroulés? Non, non. En fait, j'essaie de casser un échafaudage avec un autre échafaudage à la main et ça ne marche pas. Pour info. Bon, c'est bon à savoir. Alors du coup, il faut qu'on fasse une Alloy Furnace. Donc, Alloy Furnace. Alors, attends, je crois que je suis en train de me fail comme pas possible. Et voilà, c'est ça. Ah oui, du coup, bah, j'imagine qu'on n'a pas du tout de... de clay. D'argile. Sauf qu'on n'en a pas trouvé du tout, ça. T'avouerai que je ne sais plus. Bah il me semble pas puisque je regarde dans les coffres et j'en trouve pas. Et malheureusement c'est ça qu'il va nous falloir pour commencer la suite de ce qui va se passer. Ah si, clay, on en a un tout petit peu. Donc bien, je vais pas aller là, je vais prendre, est-ce qu'on a... on a de la Nicolite quelque part, je crois, à moins qu'on l'ait tout utilisé pour faire autre chose. Il me semble qu'on en avait plein à plus savoir quoi en faire. Je crois qu'on l'a utilisé pour faire du charbon. C'est possible, parce qu'on a beaucoup beaucoup de charbon, donc je vais prendre du charbon. Parce que maintenant, avec la tablette de transmutation qu'on avait, on pouvait faire que soit l'un, soit l'autre, soit les combustibles, soit les building materials. Non, on peut faire ce qu'on veut. Voilà, avec le condenseur, on peut faire ce qu'on veut. Donc la clay, je vais en faire, disons, quelques stacks. Je vais en faire deux stacks. J'ai essayé de péter les tuyaux avec ce que je fais, là. C'est pas grave, ils vont repop. Ah mince, je me suis enfermé, maintenant. Par contre, je suis en train de me dire qu'on va peut-être faire un coffre à côté du condenseur, où on va garder un de chacun des trucs qu'on condense. Comme ça, on n'aura pas de mauvaise surprise au niveau de la condensation. Oui, non. Hop. Donc. Mais non, c'était pas du tout ça que je voulais faire. Hop. Voilà. Donc, je mets mon argile à cuire. Et après, je vais faire la Blue Electric. Non, pas la Blue Electric Furnace, la Blue Electricity. Ça va venir un peu plus tard. Parce que bon, tout le monde fait tout le temps du Industrial Craft, Buildcraft et tout ça. Du coup, nous, bah, on va aller faire du Equivalent Exchange, Red Power, Computer Craft. Tous les trucs qui sont à côté du mode, à côté de Buildcraft, Industrial Craft, du Forestry aussi. Et que les gens ont moins tendance à faire quand même. Parce que bon. Hein, ça sert à rien de faire exactement la même chose que tout le monde. C'est ça. En fait, c'est notre esprit rebelle en fait. Je suis en train de me dire que j'ai fait un truc complètement idiot. J'ai transformé plein de clay pour ensuite les cuire en briques. J'aurais pu faire une brique et la condenser. Ouais, j'ai encore un peu de mal avec le... Enfin même, j'aurais pu faire mieux. Une brique, la condenser, faire 4 briques, faire un bloc de briques et condenser mon bloc de briques. Ah, vraiment très loin. Il va falloir qu'on commence à s'y mettre. Donc je remets le tungstène ici. Ensuite, quand on sera entre les deux épisodes, je viderai toutes mes sacoches. Hop. Donc j'ai 5 briques, il m'en faut 8. 5 blocs de briques, il m'en faut 8. C'est parfait ça. Et en même temps, on a Remful qui fait un pimp my shed. Alors, vous pouvez voir sur la minimap, est-ce que je peux l'agrandir? Ouais, je peux l'agrandir. On voit une tranchée dans le désert maintenant, c'est assez mignon. Voilà. Le but, c'est un peu d'industrialiser, hein. Alors contrairement aux autres séries Minecraft où j'essaye, enfin généralement quand je joue à Minecraft j'essaye de conserver un peu l'environnement. Ouais là. Là je m'en contrefous. Non, on va planter des arbres pour rester carbon neutral. Et c'est tout.
Bah d'ailleurs, on a plein d'arbres, donc on est déjà neutre au niveau carbone, hein. Voilà, on va dire ça. Dans Minecraft, il y a plein d'arbres, hein. Là, C'est on est ça. juste en train de polluer la zone où on est. Et j'ai Ouais, fait de mais la merde. t'as vu aussi que comment on a fait une forêt automatique, donc on est Oui, c'est vrai. hein? C'est ce qui fera notre Voilà. neutralité Carbonique. carbonique, si on peut dire. Donc alors, j'ai oublié ce que Non, je on n'a pas dit de gros mots. Ah, c'est vrai. C'est comme le soda, c'est carbonique. Alors, il faut du tin et du copper. C'est ça. Merde, ça. Ah donc c'est bien. Oh, c'est bien puisque Red Power accepte tous les matériaux de quasi tous les autres modes. Donc de l'étain, il va m'en falloir un. Attends, est-ce qu'on n'aurait pas déjà des barres cuites? Barres. Des barres cuites. Un peu d'étain. Bon, en fait, je vais pas avoir le choix, il va falloir que je vide mes sacoches tout de suite. Hop, j'ai mis la. Alors, je vais essayer d'utiliser ta table Ah de ouf super, en là. fait, on a deux diamond pickaxe. Une qui a un coup de mal et une qui a 44 coups de mal. Je veux faire du verre. Si je mets du sable, de la sandstone. Oh, ça fait plein de verre. Et du sand. Alors, sable, sandstone, Ouais. vert. Ça, je veux du verre. Bois. La houle. Hop. Ouh, ça fait plein de verre, la houle. Là quoi? Ah oui, La la laine. laine. Je me Effectivement. suis fait je sais pas combien de stacks de verre et ça tombe très bien parce que je vais avoir tout le plafond à faire. Ce qui va représenter je ne sais pas combien de stacks de verre. Un nombre assez. Donc. Et je vais faire des shears du coup, comme ça je vais tondre les moutons pour faire du verre. C'est une bonne C'est idée. pas génial. Alors, de l'étain, j'en ai 4 barres, il va m'en falloir combien? D'ailleurs, quand est-ce qu'on fait des. Ah, j'ai des barres d'étain. Est-ce J'en que t'as ai. des barres de cuivre par hasard? De cuivre, je ne sais pas, mais en tout cas, d'étain, j'en ai un paquet. Et du copper. Nickel. Est-ce que j'en ai. Ah, bah c'est parfait! Ouais, c'est moi qui ai fait les trucs la dernière fois. Et j'ai du diamant sur moi. Le filet, ce serait bien. Alors, de l'étain et du cuivre. Essayer de me. Et hop, je crée donc du brass que je ne sais plus comment traduire exactement maintenant. Alors, Comment traduis-je ça? Du bronze, je crois. j'ai une impression à la con. Ouais. Est-ce que je me trompe? Je crois que notre ferme à arbres qu'on a mis dans le dernier épisode ne fonctionne. Oui, parce qu'il n'y a plus de charbon. Elle doit avoir consommé tout son charbon. Eh ben, je vais aller en mettre un paquet. Alors, ils sont où les diamants par chez nous? J'ai pris deux stacks de charbon. Je cherche où on range les diamants dans cailloux. C'est ici. Il Non. fait nuit, donc je vais prendre une épée. C'est pas dans pierre, c'est pas dans minerai divers, c'est pas dans charbon, c'est pas dans nether bordel, c'est pas dans tuyau. Ah, mais c'est pas possible, c'est où? C'est Cherche quoi? où on met les diamants? Dans minerai divers, je crois. Ouais. C'est parce qu'il n'y en avait pas que j'ai Ouais. hésité. Et je vais mettre ma poudre de covalence dedans et mon fertilizer, je vais le mettre avec végétal. Avec mes graines aussi, mes saplings aussi. Et dans loot, je vais mettre le reste. Est-ce qu'on a un coffre loot d'ailleurs? Ah, tu me détruis pas ça, toi. Non, on n'a pas de coffre loot. Donc du coup, le coffre sable vert, est-ce qu'on a. Non, est-ce qu'on a un petit peu de verre? Ah! Je crois que tu as fait boum! Oui. Et mon cœur fait boum, boum, boum! Ah, il y a des creepers partout. C'est pas ma faute. Dans le village. C'est pas ma faute. Alors, pneumatic tube. Maintenant, il faut qu'on fasse des redstone tubes. Donc, c'est un pneumatic tube et un peu de redstone. Donc là je. Oui. Ah bah j'ai plein de redstone sur moi. Donc je suis toujours en train de préparer les. On va en faire une dizaine. Je suis toujours Non, en il train s'est de rien préparer passé. les. Les comment dire. Les générateurs de cobblestone. Donc redstone tube.
pneumatic tube. Donc ensuite, il me faut un timer. Alors ça va être la guerre à faire puisqu'il me faut un stone wafer. Donc il faut que je cuise de la stone. Est-ce que j'ai de la stone sur moi? Bien sûr, non. Alors, des stone wafer, il va m'en falloir plein. Donc j'ai regardé dans le coffre pierre, est-ce qu'on aurait de la stone? Non, mais on a de la cobblestone et on a une tablette de transmutation ici. Finalement, c'est bien d'avoir gardé la tablette de transmutation ici. Hein. Ouais, c'est utile, quoi. Ouais. Est-ce qu'on a du... le moyen de faire du fer? Ah bah bien sûr. Tu prends, tiens... un iron. 4 iron ingots. Parfait. Je vais transformer tout ça en fer. Pourquoi déjà? Oui, parce que j'avais une idée pour un peu sécuriser la zone. Ah bah si, je pense qu'on peut le faire. Cherche dans le truc Interdiction Torch. Ah, c'est hyper cher. Mais... Le fer, c'est cher aussi, dis donc. Ouais, mais si tu cherches l'Interdiction Torch, en fait, quand tu plantes une Interdiction Torch, les mobs ne peuvent pas s'approcher sur ce qu'elle éclaire. C'est vraiment sympa, mais bon, c'est 3 diamants chacune, quoi. Ah ouais. Enfin, non, c'est 1 diamant et demi chacune. Je pense qu'on va attendre que j'ai setup ce que je suis en train de faire pour le... Je sais ce que je vais faire. Hein. Parce que stone wafer, ok, stone wire, c'est un stone wafer. Plus de la redstone, il en faut 3. Stone pointer. Je vais jamais me souvenir de tout ça, quoi. Donc, c'est pour ça qu'on a le truc qui nous le dit. Ah ouais, mais cherche timer, tu vas voir comment c'est compliqué à faire. C'est... D'ailleurs, il va falloir que je vais mettre ma Philosopher's Stone dans outils, comme ça je l'aurai pas toujours sur moi. On va faire un truc, je vais lui apprendre la barrière, et je vais faire des barrières à la chaîne. Tu fais des barrières en fer? Non, en bois. Je voulais faire en fer, mais c'est super c'est cher. C'est hyper cher, la barrière en fer. Alors, voilà. Stone Cathode, il en faut une, donc j'en ai fait une, c'est bon. Stone wire, il m'en faut 3. Et stone anode, il m'en faut 2. Ok, donc. Stone wire, j'ai dit 3. C'est pour ça que j'ai failli en faire 4. 3. Et bien sûr, il faut que j'aille rechercher de la redstone. Donc la redstone, c'est dans minerai d'hiver. C'est ça, red power, on utilise une masse de redstone. C'est hallucinant, quoi. Et donc après il faut que je fasse un stone pointer et pour ça je vais essayer de pas regarder la recette. Je crois qu'il me faut une stone, une torche de redstone et un stone wafer comme ceci. Attention, attention, yes. Je mets ça ici, je mets une cathode ici, wire, 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 anode, anode, wafer, wire. Oh, c'est miraculeux, j'ai réussi. Et donc maintenant, il faut des blocs. Breaker, voilà, il faut ça, et là vous allez voir, ça va coûter pas si cher que ça. Alors, est-ce qu'on a... Ouais, il me semble qu'on avait appris le piston à la table. C'est possible. Ah, parce que là, il va... Moi aussi, il va me falloir beaucoup, beaucoup de fer, là. Est-ce que t'as laissé un lingot de fer dans la table en bas? En bas, non, je peux en laisser un si tu veux. Bah attends, je vais arriver, il n'y a rien dans ce coffre, il n'y a rien. J'arrive avec un coffre que je vais poser à côté, où on va poser un truc des... J'ai cassé la symétrie d'en haut, mais c'est pas grave. Hop. J'en mets un dedans. Voilà. Hop. Ah ouais, ça n'en a pas fait tant que ça, quoi. Il m'en faut juste 2, moi. Bah prends ceux qu'il y a dedans, j'en ai... Prends-le, moi je vais le mettre ici, hop, donc là il y a un lingot de fer, on va laisser un truc comme ça, on va laisser un truc comme ça, un truc comme ça, un truc comme ça. Ça c'est juste génial cette table de craft. Ah mais c'est magique. Ah bah les tables de craft, on va en faire une un peu plus tard dans le truc, on va faire la crafting table 3. C'est encore mieux, t'as même pas besoin de connaître les recettes que tu utilises. Alors du coup moi je voulais faire quelques iron pickaxe. Hop.
Je voulais quadriller la zone avec des barrières, mais en fait, je me dis que ça va nous limiter. Voilà. Ça, c'est notre mine. Ah bah non, en fait, je suis en train de me dire que si je construis mon truc, je peux peut-être le condenser derrière. Hey, c'est pas bête ça. Parce que donc, je vais essayer de retrouver le craft sans le re-regarder. Je croyais que c'était une iron pickaxe ici. Ah, c'est génial, j'ai réussi à trouver le craft sans le re-regarder. Ah ouais, Tu vois, par en plus, contre. ça nous permet d'apprendre les crafts. C'est ça. Bon, par C'est contre, pas magnifique la vie. c'est pas cool parce que je peux pas le dupliquer le raid power avec mon truc. Alors, pourquoi cette ferme s'est-elle arrêtée? Parce que je pense qu'il n'y a plus de charbon dedans, ou alors quand j'ai converti le monde, c'est possible que j'ai fait une ou deux petites erreurs dans Effectivement, il n'y le. avait plus de charbon dedans. Donc, alors, logiquement, est-ce qu'il y a un bug dans la tuyauterie? Non, par contre, celui-là, tu l'as fait sortir, j'ai pas trop compris pourquoi. Je vais la remettre. C'est possible que j'ai fait des trucs pas logiques à plusieurs moments, hein. Ça c'est. Je vais la renterrer, cette tuyauterie-là. Forcément. Attendez, je vais regarder pour. Qu'est-ce qu'il faut pour faire une project table, qui est la table de craft de Red Power, et qui est géniale parce qu'elle a un genre de petit coffre à l'intérieur. Donc je vais faire une project table à la place de la table de craft qu'on utilise. Parce que bon, tant qu'on est à utiliser plein de trucs super cool et plein de mods géniaux, en fait, il faut pas que je pète cette table de craft, puisqu'il me faut une table de craft ou une Philosopher's Stone. Par contre, je ne me rappelle plus Ah tiens, quelle du est la. minerai. Voilà, c'est donc c'est C pour utiliser la Philosopher's Stone comme une table de craft. Alors du coup il va me falloir un peu de vrai stone. Enfin de vrai stone, n'exagérons rien. Il me faut 3 stone et 3 wood plank. Stone. Ou 4, je ne sais plus. Le monde est stone. Et voilà, et j'ai fait mon boulet en plus. Parce que j'ai chargé ma Philosopher Stone pour rien, donc ça m'a bouffé un peu de charbon et ou de redstone. Et là, j'ai une project table. Et donc, tu vas voir, la nouvelle table de craft, elle a vachement plus la classe. Et surtout, je peux faire ça. C'est si. Enfin, le mieux, c'est si je commence ma recette comme ça. Je ne sais. Je crois que c'est de la redstone ici et de la pickaxe ici. Et au milieu, un piston. Et que je quitte la table de craft, et ben ma recette, elle reste là. Et ça n'a pas de prix. Pour tout le reste, il y a Mastercard. Oh, le Donc. placement de produit. Ah mais carrément, hein, moi je suis vendu complètement comme ça. Hein. Hop, 3 et 4 petits pistons. 5 pistons. 5 pistons. Ouais, 5 pistons. Hop. Et normalement, si je me souviens bien, si je mets ça ici, voilà, je peux tout crafter en gardant ce qu'il y a. Hein, il va prendre ce qu'il y a dans le petit inventaire ici pour le poser. Donc j'ai 6 block breakers. J'ai 2 seaux de lave. Donc je vais faire un petit trou dehors et poser un des seaux de lave. Non, en Ah, il y a de fait. la lave ici. Oui, sur le bord là. Non, non, sous la forêt, sous Ah bon? la, sous Oh, le. c'est sympa de savoir qu'il y a un lac de lave juste à côté de notre Eh bah, c'est forêt super cool. automatique. Il est énorme en plus. Bah, c'est super, on va pouvoir le pomper bientôt. Bah, c'est ça. Ouais, on aime bien pomper les lacs de lave, nous. On est des fous. Alors du coup, j'ai mis le truc ici. Donc les générateurs de cobblestone. Déjà, on va mettre du tube pneumatique ici. Ah, bah, d'ailleurs, je pourrais mettre. Je suis en train de faire un truc très drôle, j'ai d'ailleurs au-dessus du lac de lave. Tu fais de l'équilibriste. Encore mieux. Moi, je pense que je vais mettre les générateurs de cobblestone comme une brute juste à côté de la maison.
Ah ouais, est-ce que ça risque de prendre feu ici? Le feu peut se propager là, il peut allumer celui-ci, qui brûlera pas et donc il va pas se propager là. Ouais, je sais pas. Bon, je vais le faire un plus loin. J'ai pas confiance. Alors là, normalement, je vais foutre un bordel monstre. Parce que je vais couper les tuyaux pendant qu'il ramène du bois. Alors moi, par contre, il va falloir que j'aille chercher plein de sable. Ah merde, je suis en train d'en poser, j'en ai un stack. Ouais, mais il va m'en falloir plus, puisqu'il faut que je bouge tout un trou de creeper. Ok. Bon, là, je garde le mien pour boucher les trous que je bouche. C'est ça. Ouf, ça va. Le condenseur m'en a filé largement ce qu'il faut. Il y a beaucoup de sable dans le condenseur. Genre, beaucoup. Hop. Et moi, je vais préparer le générateur de cobblestone. Enfin, les générateurs de cobblestone, puisqu'on va, en faire 6. Et 6, ce qui fait que ça va nous prendre... ils vont envoyer... Je pense qu'on doit pouvoir les faire tourner à 0,7 secondes. Donc ça va pouvoir envoyer quand même méchamment... de la cobblestone, tout ça. Oups. Alors, du coup, pour faire les générateurs de cobblestone, il faut que je mette un bloc de sable ici, que je creuse deux tranchées qui font 6. 3, 4, 5, 6. Voilà. Donc ici, je mets de la lave. Ici, je mets de la lave. De l'autre côté, je mets de l'eau. Oh, faut que j'aille voir ce que tu es en train de faire. Ah là, c'est magique. Enfin, c'est surtout pour le moment, c'est normal pour le moment. Ah, en fait, j'aurais dû faire une source infinie. Voilà. Hop, voilà, j'ai fait une source infinie ici. Donc du coup, là, il faut que je mette, il faut que j'aille faire un tournevis. Parce que forcément, hein, c'est beaucoup trop facile si je prends tout d'un coup et que j'oublie rien. Donc, on est quand même dans Feldustrie. Hein. Rappelons-le. Voilà. Deuxième placement de produit. Achetez nos t-shirts, qu'on fait pas. Donc, un screwdriver. Fuuu. Alors, c'est celui-ci. Ah bah, c'est facile. Un stick et un bout de fer. Donc, un stick et un bout de fer. Faut pas que je me gourde de type de tuyau. C'est mieux. Hop. Et pourquoi on avait mis deux tuyaux? Pourquoi on avait fait deux sortir de tuyaux Parce que je pense qu'on s'était dit qu'on allait ramener d'autres trucs, mais en fait c'est pas logique du tout, puisqu'on peut tout faire passer dans un tuyau. Et on va faire de... mettre un tuyau en fer. Et bah je casse celui du dessus. Vas-y. Merde. Ah mes mains, ils se mettent en dessous, ces boulets de tuyaux. Par contre, si tu veux voir le grand délire... de la cobblestone, ça va être bientôt. Je suis en train de finir de placer le dernier tuyau. Si bon, j'y arrive. C'est en train de me saouler tout ça là. Ok. Hop. Donc, voilà. Il y a du bois qui s'est stacké. Génial. Ah, bah, c'était. Ah bah oui, c'est pas là où je voulais mettre mon sable. Hop, hop. Là j'ai un... c'est un fil hyper industriel, là où je mets les générateurs de cobblestone. J'espère que je les ai mis assez loin pour pas que ça... que ça enflamme le... l'atelier. En fait, j'ai pas du tout été intelligent là-dessus, puisqu'il suffit juste pour être sûr... que je fasse ça. Déjà je fais une autre source infinie ici. Je retire. Voilà, c'est mieux. Il n'y a qu'un seul tuyau. Je retire cette source infinie d'eau. Oui, j'ai eu beaucoup de mal à la retirer. Tout est parfait par là.
Ah, il va faire nuit. Heureusement qu'on a de la lave pour s'éclairer. Voilà. Et comme ça, si je les inverse, forcément, on n'aura pas de problème. Hop. Bah, je t'attends pour poser la fin. Oh oui, j'arrive. Hop. J'aimerais bien boucher ça avant de te rejoindre parce que sinon on va avoir des monstres en pleine nuit dedans. C'est pas cool. Ça me ferait pas plaisir. Ouais. Ah, par contre, non, je peux pas le lancer tout de suite. Il faut que j'aille chercher un petit grain de redstone. J'étais sûr d'en avoir. J'ai dû la laisser dans la projectable. Il me faut. Je suis pas certain de pouvoir le mettre directement dessus, mais pour être sur le bon côté, je vais mettre un truc de redstone comme je sais le faire. Puis ça marchera très bien comme ça. Voilà, c'est très joli. Hop, moi je mets ça ici. Ah, très joli. Non, c'est rigolo, disons. On le Ça sera très règle joli plus à tard. 0,7 secondes. Normalement, ça doit marcher. Et je Ça vient. t'attends. Exactement, je suis dans un trou de creeper. Il y a une araignée qui m'attaque. Tout à fait. Et là, je vais mettre un coup de redstone et tu vas voir que ça va être magique. Parce que tu vois le setup avec la lave d'un côté, Oh God. l'eau de l'autre côté et des block breakers dessus. Qu'est-ce qui va se passer? Je vais mettre de la redstone ici. Et il va se passer que je me suis lamentablement planté. Parce que ça fait de l'opsie. Bah surtout parce que c'est vrai qu'il faut mettre les block breakers à la hauteur. Bon bah on est dans Fail District quoi. Je vais chercher ma pickaxe. Ah, il y a de l'idée. Ouais. Je vais chercher ma pickaxe et je vais chercher de nouveaux seaux de lave. Heureusement avant de partir j'ai appris les seaux de lave à la table. Donc du coup je vais échanger des seaux vides contre des seaux de lave. Voilà, deux seaux de lave. Les outils. La diamond pickaxe. Ta 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 da. Il ne s'est rien passé, vous n'avez rien vu. Du coup, il faut que je pète tout ça. Ouais, forcément, les blocs sources de lave, ça fait de l'opsie. C'est pas cool. Allez, casse-toi. On va remettre du sable ici. Et ah zut, j'aurais pas dû faire ça puisqu'il va falloir que je déplace ma source infinie aussi. Allez, casse-toi, petit bloc. En fait, non, je vais pas déplacer mes sources infinies, je vais juste déplacer les ceux-là. Alors par contre, je vais faire un truc. Voilà, ça m'a donné une idée. Voilà, je vais tous les récupérer. Est-ce qu'il te faut beaucoup de place autour de ce que tu es en train de faire? Oh non, c'est juste ça, c'est que plus tard on risque de l'agrandir méchamment. C'est pas grave. En attendant le plus tard, on va faire un truc pour éviter de se manger des mobs en pleine nuit. C'est vrai. Je savais bien qu'elles serviraient un jour, ces barrières. Hé. Ça sert toujours les barrières. Hop. Et là, j'ai bien fait de casser les tuyaux avant de remettre la lave. Donc, un petit coup de tournevis pour retourner les block breakers, pour que Voilà. le trou y soit dessus. Voilà. On remet le tuyau redstonique ici. Du coup. Ouais, ça va passer. On récupère ce truc là. On le replace. On va le placer ici du coup. Il y a un truc qui me plaît pas. On le remet à 0,7 secondes. On va lui donner un coup de tournevis pour le faire tourner. Voilà. On perce ici.
Hop. On met de la lave. On perce là. Hop, on récupère les blocs. On remonte, on rebouche, et voilà. T'es relâ? Non. J'arrive, j'arrive. Parce que je vais rallumer et ce coup-ci, ça devrait marcher. Attends, moi je voulais ranger 2-3 trucs. Ah, il y a un squelette qui veut m'attaquer. Il y a un squelette qui veut m'attaquer. Justement, c'était pour éviter ce genre de problème que je faisais ça, mais c'est pas top. Je suis un peu à la bourre. C'est pas grave, je le pousse à coup de pelle. Je me suis mis, il m'a donné des os, je vais faire pousser un arbre en même temps. Hop. Ta-ta-ta-ta-dam. Hop là. Alors, comment ça se fait qu'il y a des zombies dans notre enclos à animaux? Parce qu'il n'est pas Parce qu'il est éclairé. pas éclairé du tout. Attention, un creeper derrière toi. C'est affreux. Dommage. Là, j'ai juste eu le temps de te prévenir avant que ça fasse boum. Bon, c'est pas grave. C'est pas bien grave. C'est juste que le terrain ressemble à plus rien du tout. Bon, c'est pas grave ça. T'as eu du bol puisque juste derrière il y a une, y a de la lave. Ouais. Alors, je vais T'es pouvoir. prêt? Ouais. Paf, sable, cobblestone. Cobblestone, cobblestone, cobblestone. C'est d'une violence. Toutes les 0,7 secondes, on crée 6 blocs de cobblestone. Et donc tu les amènes dans Ils le vont la transmutation directement machin là? dans le condenseur. Donc toutes les Oh 0,7 god. secondes, on crée 6 EMC. C'est bon ça. Alors Et pour voilà. ceux qui n'ont rien compris, Je vais même aller moi vous j'ai compris, montrer. donc je pense que c'est pas très compliqué, c'est que là les cobblestones qu'on a ici, c'est pas qu'on a une folle envie On n'aime pas la cobblestone non de plus. Hein. cobblestone, hein. On s'en contrecarre C'est de la là, vous voyez, cobblestone. elle apparaît ici. C'est juste que la cobblestone qu'on génère, elle va arriver dans la table et générer de l'EMC. Non, dans celle-là, hop. Bah d'ailleurs, si je... Ah, c'était pas les flèches que je voulais mettre. Si je mets rien, on voit la cobblestone qui arrive ici. C'est ça. Je vais mettre du fer et comme ça la cobblestone elle Oh va. yeah! Comme ça, t'as un générateur de fer. Voilà. Enfin, on peut le faire en générateur de diamants après. Il suffit juste qu'on augmente la capacité de génération de cobblestone. Et vu qu'on peut aller quasi à l'infini en capacité de génération de cobblestone, On verra c'est. ça plus tard. Pour Voilà. l'instant. Bah ça finit l'épisode d'aujourd'hui en final. D'avoir fait un peu d'Equivalent Exchange et un peu de Raid Power 2. Et donc au prochain épisode, je sais pas exactement ce qu'on va faire, mais on va bien trouver. On va Oh, essayer. je me fais pas de soucis là-dessus. Voilà. Moi je reste sur la vue du générateur de cobblestone pour clôturer. Ah, il y a un squelette qui a failli me pousser dedans. Tu vas me buter ce squelette. J'ai fini avec un demi-cœur. Super. J'ai plus de bouffe, tout ça. C'est le temps de se dire au revoir. Et à une prochaine fois pour plus de fail et d'industrie. Salut. Salut.